Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron Horse. On se retrouve avec notre petite équipe de mercenaires pas trop bras cassés, hein. On s'était arrêté dans la ville de Astenhold, et on est plutôt pas mal, hein. J'ai fait un petit achat pour Chobiti, je lui ai acheté une pique un peu épique en l'occurrence. Ça a quand même un peu mieux que sa fourche de base. Donc comme ça elle sera un petit peu plus efficace, et j'en ai profité pour organiser un petit peu les armures aussi. Donc normalement ils sont un petit peu mieux. On a une quête ici où on peut se faire 600 balles en éradiquant des Void Spawn, parce qu'il y a une Void Brèche. Mais avant, je voulais vous montrer un truc que j'avais raté. J'avais vu vite fait sur la map la dernière fois qu'il y avait des sites de bataille. Et en fait c'est des sites de bataille, j'avais pas regardé en détail, mais c'est des sites de bataille de la guerre entre les nobles, tout simplement. Et ici on voit que c'est une bataille pour Rhenaeline, qui est la ville, qui a été gagnée par la maison Jorsten, qui a donc pu la garder. Mais ici on voit que la ville qui avant était à ses gens, la maison de Jorsten a gagné la bataille, et du coup maintenant elle leur appartient. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique de faction qui fait que les nobles, les maisons nobles peuvent complètement se faire défoncer, quoi. Et ça c'est plutôt sympathique, moi je trouve, comme concept. Et je suis très curieux aussi de savoir ce qu'il y a derrière ce grand mur, mais bon, ce sera une autre fois. Nos quêtes principales, on a large le temps, hein, donc on va essayer de trouver une quête pour se rapprocher de Rhenaeline, mais en attendant, une petite quête à 600 balles pour éradiquer les Void Spawn, ça m'a l'air plutôt pas mal. On accepte, et on va aller nettoyer le fort. Alors lui, il veut qu'on fasse un supply run jusqu'où? Alors, il veut qu'on aille jusqu'à Ashdorust. Ouais, pourquoi pas? On doit récupérer de l'huile et de la cire à Jorust. Alors, Eradicate Voice Point, c'est là. Ensuite, on peut faire pif, pouf, et on retourne rendre les quêtes. Ça me paraît pas mal. C'est parti. Commençons par un petit assaut sur les Voice Point. Alors, on va prendre. Alors, Aminou est fatigué, c'est dommage. Et personne n'est well rested, mais au moins, on n'est pas trop mort. On va prendre Mialis. On va peut-être prendre Zmoisis aussi, qui commence à vieillir. Hein. Alors, c'est un truc, hein, ça, je sais pas trop. Du coup, si on traîne trop à faire les quêtes principales, pourquoi tu veux pas prendre ça, merci. Est-ce qu'éventuellement il pourrait mourir, ou en tout cas partir à la retraite avant qu'on ait récupéré son neveu. Alors on a un fight, on se lance, bim. Allons éradiquer ces Void Spawn. Oh putain, ils sont nombreux. Alors deux Risen Ghoul, deux Fouetteurs et un petit Nilrub Disrupteur. On va être 2 à jouer avant lui. Lui se déplace de 3 seulement. Donc on aurait moyen d'aller mettre quelques tatanes. En plus Moïse joue après. Bon, après par contre ça va cogner avant que Chobiti fasse quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'on pourrait quand même se placer pour aller mettre quelques fessées. Hein. On a peut-être moyen d'en tuer un voire deux avant qu'il joue. Si je veux taper, il faudrait que j'aille par ici du coup. On y va. Bim. Coup de pied dans la face. Alors toi tu fais 1, 2, 3. On va aller ici du coup. On peut faire un petit conduit, on va même pas le tuer si on fait un conduit, mais on va au moins bien l'affaiblir. Ok, il nous tape. Nous on va là. Alors l'idéal aurait été de pouvoir aller là, mais ce sera pour une prochaine fois. On va lui mettre un coup, comme ça le conduit. Ah mais non, mais ça a annulé son conduit, sérieux? Ah merde! Le bouger, ça a annulé son conduit. Ça c'est la loose. Allez, alors du coup Malvin est un petit peu dans le mal, quoi. Bon. Faut faire quelque chose là.
On va aller déjà protéger un peu. En plus il est cerné. Il ne peut pas bouger. Alors ici on pourrait. Lui il va jouer quand. Attends, on a cramé. Ah non, on a du coup on l'a pas consommé le conduit. Bon, c'est toujours ça de prix. Enfin ça fait un peu chier quand même. Là normalement on devrait le faire avant qu'il joue, parfait. Par contre l'autre, j'espère qu'il va pas nous mettre un. Ok, on va essayer de finir celui-là. Quitte à caler une petite blazing lance. Protéger un petit peu Malvin, hein, bien sûr. Lui va crever du saignement. Blam, on désintègre celui-là. J'ai eu peur que le petit silence là foute la merde, mais ça va. Bon, Malvin, t'as pris un peu cher. Il a encore le moral, hein. Il met quand même un petit coup critique, ça fait plaisir. Ici, on peut aller là. Hop là, commencer à mettre un petit peu de statique sur sa tronche. Dommage, on l'a pas stun, hein, il va avoir droit à une attaque. En plus, il se heal. Là, on est trop loin, ça sert à rien. On va sprinter par ici. Ok, il n'y a plus de flamme, on peut passer. Allez, te rate pas, parfait. Bon, il prend quelques petits dégâts, mais il reste efficace, Malvin. Hein. Faudrait voir si on peut pas. Alors, sa vie reste quand même assez faible. Ça augmente de 15 hein, si on monte ça. Ouais. Ses dommages critiques, son évasion également. Et sa puissance, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Et on peut lui débloquer une nouvelle compétence. On va lui prendre le heal, je pense. Ça permet quand même d'avoir pas mal de moyens de le gérer quand il est tout seul, parce que il a tendance assez vite à charger vu qu'il est rapide, mais du coup ça peut vite être la merde. Un petit scout. Ok, on voit rien. On a par contre un petit truc. Ok, on a plus de chances de prendre des blessures. Alors là c'est certainement un cul-de-sac, mais on va quand même aller voir. Ok, il n'y a rien de rien. Et ici on a un fight. On pourrait consommer peut-être bon, une healing trance, hein, tant qu'à faire. Et on va faire le combat. Alors ils sont bien en tas. On joue très vite. Elle derrière. Va jouer rapidement. Alors on pourrait attendre. Alors on a deux choix en fait. Soit on la fixe, on leur balance un gros coup de pied rotatif et on les balance dans le mur, alors on la recule, etc. Mais le problème c'est que. Et derrière on peut balancer un trait de foudre là. Mais on risque de toucher Malvin. Et en plus il va se retrouver un petit peu isolé. Mais enfin cela dit, ils sont coincés. Donc lui il va pouvoir se téléporter plus ou moins. Ou alors on attend, partant du principe qu'elle devrait pas bouger. On balance notre foudre. Ouais, ça me paraît bien comme ça. On va attendre. On fait le toucher corrupteur, mais là du coup on est capable de faire un petit Heart Lightning. Donc là on en touche 3, là on touche ces 3 là. Le problème c'est qu'on les voit pas, donc du coup on est protégé là ici mais on les voit pas. Alors est-ce que je peux éventuellement bouger avant? Ici je les verrai tous, c'est mieux. Ouais là, c'est mieux là. Là on en touche 4 en plus. Allez c'est parti. Bim! On va se prendre une attaque mais c'est pas très grave, hein, même pas une téléportation. Pourquoi pas. Alors, toi t'es dans un truc corrompu. Et eux, ils sont dans des dead zones. On va poser un piège. Et bim. Bon, il s'est stun tout seul. Aïe. On saigne. Bon, faut qu'on se débarrasse de celui-là. Alors après on peut voler, est-ce qu'on a un angle? Si on vole par ici c'est pas ouf, si on se met ici et qu'on vole ça peut être pas mal.
Ouais, c'est carrément bien même. Par contre, on fait des dégâts à nous-mêmes. Il me semblait que non. C'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. Je peux mettre un coup de pied, mais c'est un peu naze. Je peux me téléporter. Là, je le tue pas. Bon, tant pis, on va mettre un coup de pied. Ici, malheureusement, on est silenced, donc on peut pas soigner. Mais lui, ah, il va se faire blesser. Aïe aïe aïe, ça pique. Dès le deuxième combat, Zoé 6 est blessé. En plus, on n'a pas de bandage. Est-ce qu'il est considéré comme flanqué? Je pense pas là. Hein. Non. Ah merde, il se concentre dessus. On va le relever. Celui-là maintenant. Bon là on le flanque donc on est sûr de le toucher. Ah on gagne un bandage, parfait. Ça c'est bon ça. Bon, va falloir te mettre un petit bandage. Voilà, en attendant ça te soigne, on va consommer une popo. Ça va faire le dernier truc et on perd quelque chose, on a perdu une potion. Et merde, je peux l'utiliser quand même. Oh, ouh ça c'est... Ça c'est le petit exploit de ça. Et bah tant mieux hein, on va dire. C'est un cul-de-sac, y'a pas un petit truc à trouver? Non, y'a que dalle. C'est la dèche cette zone. Allez. Ah putain, ça va non. Ça va en vague là. Alors, on a trouvé quoi? On arrive dans une espèce de pièce d'une armurerie. Ok. On va chercher si on peut trouver des trucs. Non, c'est que du déchet, tant pis. On va scout, gagner une saloperie de petit malus. Ah là là, on passe à 15 sur les trucs. On n'a pas de quoi camper, hein. C'est censé être une petite carte. Ah, ici le l'enfer du 4 trucs à choisir. Bon, alors. On va jouer, elle et joue. On devrait être capable de se faire celui-là assez rapidement. On le charge, on le défonce. On va mettre Chobiti ici pour tankouiller un peu de ce côté-là. Ouais, c'est parti. Bim. On fait une corrupting touche à 50% de dommage. Ah, oh, on le tue pas. Ça, c'est la tristesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tempête. Bon. Allez, le petit coup critique, non même pas. Tant pis. Alors, toi du coup, t'es dans le mal, tu vas aller là. Au moins tu perdras pas trop de morale, parce qu'il a plus de morale, hein. Il a plus que 5 de morale, mine de rien. Faut faire quand même gaffe à ça, c'est vrai que j'y fais pas trop attention, mais... Ça peut vite foutre la merde. Ici. On est silenced, on va tanker. Ah, un petit coup critique de Chobiti qui montre que seul face à tous, eh ben elle s'en sort. Donc ici on est immobilisé, mais je crois qu'on peut se téléporter. Non, ça bloque la téléportation maintenant ça, tiens. Alors, on va s'en débarrasser. Alors il va nous falloir quand même du renfort pour Chobiti là. Si on vient là. Je peux balancer ça, ça fait un petit peu de dégâts, mais si je fais ça, elle va se faire toucher. C'est pas ouf. On va lui faire tomber une petite pluie dessus pour la soigner, histoire qu'elle tank. Parce qu'elle va prendre quand même pas mal de dégâts là. Ici on peut aller là par contre. Non, c'est pas ça, c'est le pilier infernal. Voilà, le pilier infernal. Bim, bim.
Ça c'est propre. Bon là on va te cerner. Mais on peut se débarrasser de celui-là au moins. Le cerner à notre tour. Donc là on a 100% de chance de le toucher. L'urine darkness. Ah! Elle l'a téléporté sur une zone de corruption et l'a endormi. Très bien. Du coup il retombe à 0 de morale et en plus il continue de dormir. Il faut qu'il prenne des dommages pour que ça joue. Alors je pourrais venir ici, mais ça fait un peu chier. J'ai pas envie de perdre plus de morale. Voilà, Chobiti a fait le taf. Alors par contre, on n'a pas moyen de le... de la cerner, elle, c'est dommage ça. On va pas se mentir, on souffre quand même, hein. Il a quand même fait 568 de dommages malgré qu'il a dormi une bonne partie du combat, ça lui redonne un petit peu de morale. Alors ici, cul-de-sac, cul-de-sac, allons-y. Alors, on peut passer 3 tours à chercher de nouveau, mais elle, elle est butée, elle ne sera pas contente. Allez, on va tenter. Et bah voilà, Chobiti a trouvé quand même quelque chose. Un bol oeil laser, bah, tu vois. Fallait pas râler. Et là on trouve un cadavre. Bah on va fouiller. On trouve une petite potion et des bandages. Parfait. Et on a un petit malus des pièges. On vient là et on scoute. Ah, on arrive au boss, ok. Il nous reste du temps, hein. Donc la potion c'est 200 de vie. On va soigner Malvin. On va faire une petite rainfall ici. Le bandage, on va le mettre sur lui. Et c'est parti. Les démons se sont fait un petit nez, un petit nid trop mignon. Ne touchez à rien. Alors... ok, on a un grand démon qui nous a vu. Il se retourne et il nous charge. Très très bien. Alors c'est lui, c'est Langitched. Donc on a deux Soul Persir là. Ils vont tous jouer vite. Donc là par contre faut qu'on s'éloigne. Hein. Vous déplacez de 4. Toi tu te déplaces de 3, t'attaques à distance 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va reculer. Normalement ça devrait le faire. C'est parti. Toi, tu vas prendre ton instinct de bataille. Ça fera pas de mal un petit buff. Voilà, donc là ils sont bien coincés. On va pouvoir se focus sur celui-là du coup. Bim. Alors ici on pourrait faire un petit piège. Lui il se déplace de combien Languichet? De 4 quand même, hein. 1, 2, 3, 4, il va venir ici. On va lui poser un petit piège juste là. Voilà. Ah il nous a fixé le petit coup. Alors je pourrais voler du coup ici. Je fais pas de dégâts mais au moins on sait. Défait du truc. Ah putain, mais du coup il vient là lui. Heureusement notre bouclier nous aide. Alors je vais peut-être venir me mettre là et Smosis s'en mettra là pour qu'il fasse ses attaques en ligne droite là. Ouh la violence. Il en reste quoi, un PV là? Un PV exactement. Il va avoir une attaque gratos pour un PV quoi. Là il se téléporte sur le piège. Wow.
Ah, il s'est suicidé pour m'attaquer. D'accord. Très très bien. Donc ici on est fixé malheureusement. Bah du coup on va se débarrasser de ça pour que Zmosis puisse bouger. Voilà, un peu de flamme. Il nous attire, pourquoi pas. Bon, on va revoler. Aller chercher celle-là. Ah, lui il va exploser. On se tire. Ah, mais si on se tire, on prend une attaque. On peut se téléporter, on prend pas d'attaque. Faire un petit peu de dégâts sur celui-là. Des fois que l'explosion de son pote le tue pas. Bon, on va foutre ça parce que pourquoi pas. Ok, il nous fait une petite touche corruptrice. On va aller prendre l'XP en le tuant. Pas cher. Donc lui va exploser. Normalement. 5000 de dégâts. Ah oui. C'est la victoire. On récupère un peu de bière. Alors, Zmoisis, mon cher, t'aurais besoin d'un peu de vie. Hein. Critical chance en accuracy. Tu fais quand même pas mal de dégâts. Ah, c'est vrai qu'on peut taunt la target. Plus de burn, plus de dommages. Ah, plus de dommages. Et le piège, on peut améliorer quoi? On peut mettre slow. Ah, plus une charge des alliés ne déclenche pas le piège. Ça, c'est pas mal ça. Allez hop, on prend. Chobiti, tu peux débloquer une compétence. Alors, deux cibles en ligne, des dommages perçants, et on attire, ok. Taunt tous les ennemis, et on augmente la défense de 40%. Ou alors on fait des dommages en arc de cercle. J'aime bien le truc du taunt. Et on va augmenter la défense, 50% de défense en plus. Et on taunte les ennemis, c'est pas mal. C'est franchement pas mal, hein. Conviction. On va augmenter ta défense encore un peu, bon, pas grand chose mais... C'est toujours ça de prix. Et on loot. Maudites abominations. Je crois que c'était la dernière d'entre elles, hein. On devrait retourner récupérer notre récompense. Oui, on a suffisamment fouillé la zone. 100% exploride. Du coup on a trouvé une petite armure de cuir. Bon, c'est pas ouf mais ça pourrait permettre d'équiper un nouveau personnage éventuellement. Et on va aller faire un tour là-bas du coup, chercher nos ressources. Hop là. Alors vous êtes ici pour l'huile et pour la cire. 262, on lui file de la thune. Par contre du coup j'imagine ça nous prend de la place dans notre inventaire. Hein. Ouais. Ah oui, c'est un seul objet, d'accord, ok. Un objet de quête spéciale, très bien. Alors on va devoir payer 400 balles dans 20 jours. Hein. Il faut qu'on envoie Zmoisis à l'infirmerie. Comment ça vieillir mon petit Zmoisis? Alors, les prix sont un peu plus élevés, mais c'est pas dingue. Est-ce qu'on aurait des gens intéressants à recruter? Un Stormcaller et un Pyrolanceur? Non, j'aimerais bien voir si on peut avoir la nouvelle classe bientôt. Défendre les routes... Ou... Non. Non, on va pas faire ça. On a combien de temps pour la rendre? 454 jours. Ça fait quand même pas grand chose. Hein. Si on descend jusqu'en bas là, c'est loin notre quête, hein, c'est tout là-bas notre quête. On peut aussi aller là-bas. Allez, on va aller faire un tour là-bas, 35 jours, ça se fait, on peut se permettre. On ira rendre nos deux quêtes plus tard. Ah, Jorston a gagné la guerre. Il arrive que, après ces périodes de guerre, il y ait du travail supplémentaire pour restaurer l'ordre et donner de l'aide à ceux qui en ont besoin.
Ça pourrait valoir le coup de jeter un œil. Donc, ouais, il ne reste plus que 2 villes à eux. Et bon, on va aller jeter un œil. Alors, Mialis, elle veut être payée plus. Ouais. C'est acceptable, c'est acceptable. Et donc, du coup, il y a effectivement un petit bonus de. Là, qui nous donne plus de chances d'avoir des recrues. Alors, on trouve un chariot brisé qui apparemment contient encore des ressources. Même s'il a été visiblement pillé, on regarde dans toutes les directions. On se demande où est bah, le owner, putain, le trou. La personne à qui ça appartient. Le propriétaire, voilà. Et l'autre moitié, enfin, on se demande à moitié où est le propriétaire et l'autre moitié où est l'embuscade. Est-ce qu'on devrait regarder? On dirait qu'il n'y a personne autour et je ne vois aucune marque pour indiquer à qui ça appartient, pour peu qu'ils soient encore en vie. Est-ce que vous suggérez que des bandits aient fait ça? Mialis, je pense qu'elle est plutôt, plutôt pertinente, mais même s'il y a des bandits, on peut se les gérer. Oh. 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 C'est bon ça. On a trouvé un Iron Sutton pristine first weapon. Pristine carrément quoi. Qui c'est quel équipement? Ah bah voilà. Toi t'as ton close wrap, tu vas avoir un Iron Cestus pour taper maintenant. 8% de précision, 8% de chance critique, plus 10 de dommages critiques et plus 2 de speed. Ça c'est bon par contre. C'est très très bon ça. Bon bah c'était cool ce petit event. Je sais pas pourquoi les brigands ont laissé ça là mais... Et ici on entre dans la ville. Et donc là... Alors, oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui oui c'est une quête principale donc on a un petit texte. Alors, il pleut beaucoup, les rues sont couvertes de boue, très très bien. Alaric se tourne vers nous. Ce n'est pas la peine qu'on soit tous à la recherche de Nira. Si elle est ici, je peux imaginer à seulement quelques travails que une femme comme elle pourrait faire. Je vous retrouve rapidement. Zmosis s'approche, il lui frappe l'épaule. Non, mon épaule d'ailleurs. C'est un endroit charmant, ça matche sa personnalité, non ? Donc on va à la taverne du coin, et après quelques heures, Alaric nous retrouve. Il se débarrasse de sa veste trempée, et nous dit « Il semblerait qu'elle a trouvé une place de capitaine dans la garde d'un marchand assez riche. » En tout cas, quelqu'un qui lui ressemble. Il repasse assez souvent par ici, et il y a un vendeur qui... attend justement leur retour d'ici quelques jours. On devrait la rencontrer sur la route plutôt qu'ici. On n'a pas envie que les gardes de la cité soient impliqués. Je suis assez d'accord, surtout si elle se fait passer pour... Enfin, si elle se fait passer. C'est pas qu'elle se fait passer, mais si elle est effectivement... avec une garde de marchands. Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter? Un gardien. On n'a plus de gardien du coup. Depuis le départ de du personnage de Morgan. Alors, des personnes disparues, oui. Et là, Ending the Line, mais la guerre est terminée pourtant. Après, c'est le bon moment pour recruter, hein. C'est vrai qu'un petit gardien, ça pourrait être pas mal quand même. Novice Guardian. Là, il est level 2 quand même. Alors pourquoi tu goûtes 10 de plus toi? Parce que t'es un peu plus jeune? Alors, Fortified, ok, elle peut pas être repoussée, elle est brave. Plus 10 de défense, et elle fait attention à ce qui se passe. Bon, elle a aucun équipement. Et elle a le petit dommage et le soin. C'est le soin ça, oui. Ok, pas si mal. Et toi,
Alors, la précision réduite de 10%, mais les dommages critiques augmentés de 30%. Ouais, alors déjà qu'ils sont pas hyper précis, ça pique un peu. Brave Ecosius. Ouais, ok. Et là, t'as quoi? Le soin et le sauvegarde. Bah, effectivement, elle est plus intéressante. On va la prendre. Allez, on la prend pour 3 ans. Je pense qu'on devrait pouvoir se permettre de payer ses salaires. C'est pas ça que je voulais voir, c'était l'équipement, vu qu'on a un petit peu de... pour lui filer une armure. Par contre, les armes... Rien n'a pas, déjà, donc comme ça c'est fait. On pourrait lui filer un bouclier pour 100 au lieu de 90. Bon, et beauf. Beauf, on va partir à la recherche de l'autre, là. Parce qu'elle est... Ah, elle est hyper loin, en fait. D'accord. On commence à avoir un peu de mal, par contre, niveau thune, là. Faudrait pas qu'on fasse n'importe quoi. Toi, tu veux qu'on aille chercher quelqu'un. Ça va peut-être qu'un peu de bol, c'est du même côté. Absolument pas. Ici, il y a zéro contrat, parce que de toute façon, ils sont dans le mal. Ils ont plus de bouffe. Il y a des morts-vivants. Ouais, on pourrait quand même peut-être... on va aller faire un tour par là quand même. On va faire la quête ici, on viendra par là, puis on descendra. Il y a peut-être moyen que quand même on chope... on puisse vendre nos ressources à un bon prix. Genre la bouffe. 74, 46 au lieu de 30, ça c'est pas mal. Hein. Hop, hop, voilà. Achetez-nous à manger. 78 au lieu de 50, allez, on prend. Ça je pourrais le vendre, mais non, du coup. Du sel, 252 le sel. Allez, voilà, c'est pas mal ça. Et le bouclier, du coup, on l'achète pour 80 par contre. Ça vaudrait presque le coup de prendre un bouclier plus plus. Hop, alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Des reliques, non. En armes. La baguette, c'est Mialis qui l'utilise, non? 5-0-0-0, 8-1-0-0, 86 de dégâts, 74 de dégâts, c'est pas mal, un peu cher quand même. Ça m'emmerde un peu. L'arc, on a déjà un longbow rare. On a aussi le tribal staff. 96 de dégâts, moins 2 de speed par contre. Ah, et on peut leur donner on peut lui donner une baguette ou un... Ou un bâton. Oh allez, on va prendre le bâton. On a pu bien vendre. Et du coup on va vendre ça. Je peux vendre ça? Non, je peux pas le vendre. Faut que d'abord je l'équipe. Mialis, tu as droit à un bâton, ma chère. Ah oui, parce que du coup on pouvait lui mettre une deuxième main. Mais ça c'est à deux mains. Ok, intéressant. Et Chobiti, tu peux prendre un bouclier. Tiens, un bouclier. Oui, je sais, je l'avais acheté pour... pour elle, mais tant pis. Chobiti, elle a bien gagné le droit à un bouclier quand même. Suffit un peu de râler. On a 1200 balles. On va voir si notre copine là, elle nous proposerait pas des trucs intéressants. Cela dit, non. Stop. Stop. Juste attends. On va arrêter l'épisode là et après on verra si elle a pas des trucs intéressants pour nous. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.